Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne de l'information préférée Réveil d'Afrique. Avant de commencer, nous tenons à vous rappeler que ceci est une vidéo juste à titre informatif et non pour inciter les gens à la haine. Raison pour laquelle nous allons vous prier et vous demander de rester très très courtois dans vos commentaires. Aujourd'hui, nous allons faire un petit tour du côté de la Guinée-Conakry où le limogeage du ministre Amara Camara est imminent. Comme vous le savez bel et bien, Mamadou Doumbouya est en froid avec Amara Camara. Bel et bien que sur la forme et devant les médias, Amara Camara fait comme si rien ne s'était passé. Son audition au commandement de la gendarmerie a été confirmé et est officialisé. Après cela, Mamadou Doumbouya, vu la situation Sadiba Koulibaly et Fonite Mengi, Doumbouya ne pouvait pas rajouter en cela Amara Camara et autres. Raison pour laquelle il a décidé de le maintenir pour un certain moment. Mais nous pouvons vous confirmer que Sadiba Koulibaly, en partant entre autres, a dit que les choses devraient se passer d'une façon définie en République de Guinée. Car lui, il est mort pour la vérité. Et après sa disparition, Doumbouya se retrouve confronté à beaucoup de problèmes. D'où le cas Amara Camara qui était son bras droit. Aujourd'hui, Doumbouya ne reçoit plus Amara Camara au palais présidentiel. Ce qui montre à nous la gravité de la situation. Et nous pensons que Doumbouya garde le cas Amara Camara juste pour calmer la situation et qu'à la première occasion, il sera limogé. Et bien les amis, c'est ici que prend fin ce tout petit bulletin d'information. Restez abonnés, restez à la chaîne, partagez la vidéo si vous la trouvez intéressante. À très bientôt.